Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour un nouveau vlog où je vous emmène avec moi pendant une semaine, c'est plus vraiment ça, voilà, je vous emmène avec moi pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau-demoiselle, et tout ce dont je peux parler, vous retrouvez en lien en dessous de la vidéo. Et des fois, je mets des petits i là-haut pour que vous ayez accès à des vidéos directement. Alors, plus vraiment exactement pendant une semaine, parce que bah déjà, je filme que du lundi au vendredi, et je vais refaire comme la semaine dernière, je vais filmer que trois fois, lundi, mercredi, vendredi. J'avais beaucoup aimé la dynamique que ça avait apporté la semaine dernière, et donc je vais recommencer cette semaine. J'ai un peu regardé vos commentaires, ça ne vous a pas déplu. En fait, le contenu reste le même, et voilà, ça ne vous a pas du tout dérangé. Donc je vais refaire la même chose cette semaine. Pour moi, ça m'avait quand même, mine de rien, dégagé pas mal de temps. Et j'avais trouvé ça plus pertinent de revenir finalement un peu moins souvent, parce que quand je reviens, par contre à ce moment-là, quand je reviens, j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer. Voilà, donc merci énormément à tous ceux qui reviennent de semaine en semaine et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées par ici. Et un grand grand merci à tous ceux qui passent par la plateforme Ko-fi, vous êtes vraiment très nombreuses en ce moment à me soutenir via la plateforme Ko-fi, donc un grand grand merci à vous. On se retrouve en ce début du mois d'octobre avec une chaleur. Alors j'adore l'été, j'adore quand il fait chaud l'été, mais là, 2 octobre, il ne devrait pas faire si chaud, et ça commence à me amuser. Franchement, moi j'adore l'automne, j'adore les couleurs de l'automne, il y a des pulls que j'aimerais remettre, et je peux pas mettre de pulls, clairement. Rien que déjà là, je porte mon After Beach de Atelier Millie. Alors je le portais en plus la semaine dernière, j'étais venue que 3 jours la semaine dernière, il fallait que aujourd'hui je remette le même t-shirt que la semaine dernière, mais c'est pas grave. Que j'ai tricoté dans la base cocoon, donc 50% mérinos, 50% soie, il me semble, de The Woolly Skin. Donc voilà, un petit top qui a pas mal d'aisance, donc il est bien. Mais vous voyez, même là, c'est la fin de la journée, et au matin, il était parfait, mais en fait, à partir de midi, il a commencé à faire bien chaud. Là, on dépasse les 20 degrés facilement, ça a dépassé plus facilement les 20 degrés cet après-midi. Bref, j'ai eu trop chaud, c'est pas un temps d'automne, mais bon. Je désespère de mettre mes petits pulls en fingering, je sais pas, parce qu'ils annoncent quand même vraiment beau là pour les 15 prochains jours, donc... Enfin bref, on verra bien. On vient d'acheter un manteau de mi-saison pour Noah, parce que la semaine dernière, au matin, il avait plu énormément. Et donc il en avait plus, donc là on est allé l'acheter ce week-end, et ce matin je lui ai dit non mais oublie complètement le manteau, t'y vas juste avec ton sweat, limite il pouvait y aller en short tellement il faisait beau. Enfin bref, on peut rien y faire, on subit et puis c'est tout. Donc sinon, bah ce week-end on a pas mal bougé, on a fait pas mal de choses, et j'ai tricoté, j'ai avancé sur certaines choses, donc ma foi c'est déjà ça. Oui, non, si, j'ai quand même avancé. On peut pas dire que j'ai pas beaucoup tricoté, si j'ai quand même pas mal tricoté. On devait recevoir des gens et on les a pas eu parce qu'ils étaient malades. C'est vrai que ça m'a donné plus de tricot que prévu. Alors, l'un de mes objectifs cette semaine, c'est de finir ma paire de chaussettes. J'ai fait cette chaussette-là la semaine dernière. Donc c'est une recette maison, hein, voilà, c'est une chaussette tout en jersey. Je ne suis pas de patron, si ce n'est... Enfin, je le suis plus, mais le talon, j'ai fait le fameux fish kiss lips heel, donc c'est un patron payant à peu près environ à 1€ sur Ravelry. Moi je le connais par cœur, donc j'utilise plus le patron, mais c'est quand même ce talon là. Et ensuite c'est une chaussette tout en jersey. Pour rappel, au niveau des laines, ici j'utilise un mini de la bien aimée. Je vous avais fait part de ma déception un peu de la bien aimée, donc c'est la laine qui a quand même 4 ans, peut-être que depuis ils ont changé leur base, mais franchement leur base soc, elle est pas très douce, elle est assez sèche, elle est plus fine que les autres laines que j'utilise. Donc pas forcément convaincue, surtout quand on connaît le prix de la bien-aimée. Et ici l'autorayant, c'est de l'autorayant de chez Laine de Mout, son coloris Antoine. Donc vraiment en couleur de l'automne, j'aime énormément. Vraiment très jolie, donc voilà une petite paire de chaussettes pour moi. L'objectif est de finir la deuxième cette semaine pour me faire mes chaussettes d'Halloween ensuite. Et voilà où j'en suis de ma deuxième chaussette, ce que j'ai fait ce week-end. J'ai fait ma pointe et j'ai tricoté déjà tout ça de rayures. Alors vous avez été quelques-unes à remarquer que mes rayures ne sont pas toutes égales. Hein. Par exemple ici, alors on va mieux le voir là, la orange est plus épaisse que par exemple que celle... Alors c'est un peu lit de vin.
On va dire la couleur ici, vous le voyez pas bien, vous le voyez moins, tire plus vers le violet en vrai. Et par exemple, bah ici, elles sont de la même taille. Mais c'est normal, bah, c'est de la laine teinte main et ça peut, c'est pas parfait. Et franchement, ça me dérange pas du tout. Grosso modo, franchement, à la fin, j'aurai quasiment les deux mêmes chaussettes. Je vais pas compter le nombre de rangs, si tant pis, si peut-être que là, il y a un rang de moins dans une rayure, ça va pas changer, ça va rien changer à ma chaussette. Donc c'est vraiment pas un problème. Mais comme c'est de la laine teinte main, effectivement, les rayures ne sont pas parfaites et sont pas toutes exactement de la même épaisseur. Mais voilà, c'est qu'un petit. Moi, c'est un détail qui me dérange pas du tout. Donc voilà où j'en suis par rapport voilà, la première. C'est vraiment les mêmes. Elles sont vraiment identiques. Il me reste à peu près tout ça à faire pour faire le talon. Et puis la petite tige. Donc vraiment mon objectif c'est de finir cette chaussette, quitte à, parce que c'est pas mal quand même le projet que je vais tricoter en voiture et tout, mais voilà, si milieu de semaine je vois que j'ai pas avancé, je vais me dire c'est vraiment le truc, au lieu de, quand je vais me poser dans le canapé parce que c'est la fin de journée au soir et je me dis je vais tricoter, ben au lieu de tricoter autre chose, je vais tricoter vraiment ma chaussette. Parce que là c'est vraiment mon objectif de les tricoter et d'espérer de bientôt les mettre. C'est pas gagné, mais bon, voilà. Donc ça c'est mon premier encours. Deuxième encours, c'est le pull que je teste pour Nadia. Donc le Isild Sweater. Un pull qui se tricote avec deux fils. Un fil de fingering, donc c'est-à-dire un fil qui fait un fil quand c'est du mérinos qui fait 400 mètres pour 100 grammes. Et un fil lace, donc ici du mohair et soie. Tricoter donc les deux fils tenus ensemble. Hop, je vais vous montrer où j'en suis. Lui, il a bien avancé. Alors, je vous le montre comme ça parce que c'est toujours plus facile. Vous voyez, j'en étais là. J'ai tricoté quand même tout ça. C'est super bien. Franchement, c'est un patron, c'est un modèle qui se tricote vraiment très bien. Le motif est vraiment très facile pour une première dentelle. Pour des premières torsades, vous pouvez y aller sans souci. C'est vraiment très simple, très clair. On peut pas se tromper, alors si on peut se tromper, hein, parce que j'ai fait des erreurs en répétant une torsade en trop, quand on doit passer, vous voyez, il y a une alternance en fait. La torsade, soit elles sont vers l'extérieur, soit elles sont vers l'intérieur. Forcément, si on suit pas bien les rangs, oui, vous allez peut-être pas faire l'alternance. Mais je veux dire, au niveau de la torsade, c'est toujours la même. Donc peu importe où vous la faites sur le pull, c'est toujours la même. Vous apprenez bien à la faire et vous vous trompez pas normalement. Dans le sens que vous la faites. Normalement. Parce que je me dis qu'avec des heures 5, je suis capable de tout et je suis capable de me tromper. Donc on vérifie, mais non, on est bon. Oh, ça m'a l'air pas mal. Parce que en fait, je suis en train de me dire que je suis quand même capable de faire les deux torsades dans le même sens. En fait, elles vont vers l'intérieur, hein, tout simplement. Mais non, non, c'est bon. Donc c'est vraiment un modèle simple. Vous voyez, il y a un petit peu de torsade à droite, à gauche du pull. Tout le dos est en jersey. Donc c'est voilà, c'est pas un pull avec de la torsade dans tous les sens, que c'est pénible, il n'y a pas tant de manipulation que ça, donc ça se fait bien. Alors moi qui ai l'habitude de tricoter, je fais même les torsades sans aiguille auxiliaire, mais vous pouvez très bien les faire avec des aiguilles auxiliaires. Alors pour rappel, au niveau des laines, j'utilise la laine de chez By Night Création, By Night Dyes, donc sa base mille kiwi, c'est sa laine tweed. Et on voit les petites touches de viscose blanche. Blanche, beige, noir, le coloris cachou, et je le combine avec du mohair et soie de chez Lang, leur lace. Donc c'est un mohair qui est moins poilu que les mohairs classiques, il y a à peu près, je sais plus. Je vais regarder une autre étiquette comme ça au lieu de vous dire des bêtises. Là j'ai 310 mètres pour 25 grammes, alors qu'un mohair classique il y a 210 mètres pour 25 grammes. Donc on a 100 mètres de fil en plus, mais c'est un mohair moins poilu. Alors là, il paraît fort poilu parce qu'il est tout bobiné, mais voilà, c'est un petit mohair qui est un peu moins poilu. De ce fait-là, il y a quand même plus de fil. Donc on s'y retrouve un petit peu au niveau. J'utilise moins de pelote pour mes ouvrages, donc ça revient un petit peu moins cher. Et je le trouve doux. Donc voilà. Et je suis vraiment conquise par le combo des deux. Le tweed, je sais pas au départ, alors si je le voyais, mais sans plus, je suis tellement concentrée. En fait, comme sur le devant, il n'y avait pas beaucoup, vous voyez, au départ de jersey. Je m'en rendais pas tant compte que ça. Et voyez maintenant, là, sur le devant, cette zone-là centrale où c'est tout en jersey, et ben on voit bien les petites touches de tweed et j'adore le rendu, c'est super beau. Moi qui suis pas. Moi, j'adore les laines nuancées et tout, mais là, avec ces petites touches.
de viscose là, et ben ça rend super bien. J'aime beaucoup le rendu. Donc ben lui, il faut que je poursuive. J'en suis donc à ça sous les emmanchures. Au niveau des longueurs de pull, je vais faire ce que recommande Nadia. Je l'ai fait moins long qu'avant, maintenant désormais mes pulls, et je trouve que ça me va bien finalement. Donc je vais suivre les recommandations de Nadia, je ne sais pas du tout combien de centimètres il me reste à faire. Je sais combien je dois en faire au total, mais je ne sais pas où j'en suis. Il me reste 11-12 centimètres à faire avant de commencer les côtes, donc je suis contente. Donc ça avance bien. J'ai fait un peu plus de la moitié, en fait j'ai dépassé un petit peu la moitié du corps. Si lui, je pouvais finir le corps cette semaine, ça serait bien. Si c'est pas le cas, ça sera la semaine prochaine et c'est pas grave. Voilà. Alors c'est un test pour Nadia, il sort le courant début novembre. Et comme pour tous les tests, une fois que j'aurai fait le corps, vous ne verrez plus le patron avant sa sortie. Hop là, j'ai bougé mon anneau marqueur. Et si je vous rappelle, celui-là, c'était que j'avais reçu lorsque j'ai commandé mes boucles d'oreilles chez Maison Pleine Fleur. J'utilise un petit compte-rendu de chez Mademoiselle Pluche. Et j'utilise des anneaux marqueurs que j'avais eu dans une boîte, une box de Noël de l'Écho Solidaire. Et voyez, donc là, mon anneau marqueur, ça va me permettre de voir ma progression. Et donc, c'est motivant de se voir avancer. Et ça aussi, les petits embouts bélier, c'était chez Mademoiselle Pluche. Donc voilà pour cet ouvrage. Je vais faire tout le corps. Je sais que je vais pas manquer de laine, donc j'ai pas encore fait l'encolure. Avant de faire les manches, je ferai l'encolure. De toute façon, c'est ce qu'elle recommande Nadia pour qu'on voit bien comment tombe le pull sur nous pour après avoir pour adapter au mieux les manches. Donc vraiment un vrai plaisir à tricoter. Alors je suis le diagramme, hein, moi, pas de prise de tête, comme ça je suis sûre de normalement de pas me tromper. Je m'étais quand même déjà trompée une fois ici, hein, donc je fais attention, mais voilà, j'essaie de. Avec le contre-rang, je me trompe moins. Maintenant que j'ai mis un contre-rang, je sais sur quel rang je suis, et comme ça, je me trompe pas. Donc c'est juste qu'en fait, je vérifie sur le diagramme je continue par exemple ma torsade au même endroit et que c'est pas le moment où on interchange la dentelle et la torsade. Voilà, et donc bah, ce week-end, j'avais que ces deux ouvrages sur mes aiguilles, deux en cours. Parce que j'ai fini mon gros gilet la semaine dernière. Et je me suis dit, bah non, je peux pas rester avec que deux ouvrages finalement. Ça me convenait pas. J'aime bien tricoter mon pull, j'aime bien tricoter mes chaussettes, mais j'avais envie d'autre chose. Donc j'ai monté un autre ouvrage que j'ai mis dans ce petit sac pochon que j'avais acheté l'an dernier chez Artemis Yarns quand elle avait fait ses kits d'Halloween. J'aime beaucoup. Et ce week-end, donc, j'ai demandé à mon chéri qui bobine les laines qu'il avait achetées à la vente de Harcourt Iris Yarn, puisqu'il voudrait avoir un col, un snood et un bonnet. Donc je lui ai dit, bah, tu vas commencer par bobiner tes laines. Je le fais travailler un petit peu, hein, il ne le tricote pas, mais c'est quand même lui qui gère ses laines. Et donc on a, hop, bobiné, bon, il a bobiné ces deux-là. Je lui ai même fait bobiner mon écheveau pour mon pull. Il était lancé, il a tout fait d'un coup. Donc ce sont les laines de chez Harcourt Iris. Dans sa base Dr. Wool 100% Mérinos Superwash. On a ici le coloris Dragono que vous voyez un peu trop bleu. Pas trop bleu. Et ça tire un tout petit peu plus vers le turquoise. Ouais, vous n'avez pas la bonne couleur. Désolée. Et ici on a le coloris Patronus. C'est pareil, ça ressort un peu trop bleu à l'écran, c'est plus pas ça. En fait, on dirait que c'est leur côté un peu turquoise qui ressort pas à l'écran. Mais bon, vous avez quand même une bonne idée de ce que c'est. Et j'ai commencé à faire son col. Alors, il s'agit du. J'ai imprimé patron, le Garter Snake Col de Lavagna Patricella. Je vous mets tous les liens en dessous. Je vous montre ce que c'est censé donner. Donc c'est un col avec de la brioche. Et puis bah voilà. De la brioche et du point mousse sur la fin. Donc j'ai commencé, j'ai monté les mailles. Hop. Et je vais hop. Alors, attendez, parce que c'est un peu emmêlé, j'ai les deux fils en même temps. Qu'on commence par monter les mailles. J'ai fait un German Twisted Caston pour que ça soit assez élastique pour qu'il passe sa tête sans difficulté.
et on tricote de la brioche. Voilà. Pendant un certain nombre de rangs, on fait que la brioche. Donc là, côté, ce qui est pour moi l'extérieur, l'endroit de l'ouvrage, ce qui va porter le plus, c'est le coloris dragono. Et à l'intérieur, on a le coloris patronus. Oh, c'est vraiment dommage, vous l'avez trop trouble, quoi. Le côté, il tire un peu plus vers le turquoise. Un peu plus de vert dans les nuances. Tant pis. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est vraiment très simple, c'est de la brioche bicolore en rond. Alors moi ça me surprend parce que en fait je fais rarement de la brioche en rond. Je fais souvent de la brioche en aller-retour. Alors sur le coup j'étais un peu sceptique, je me suis dit comment on fait? Bon en fait c'est bon, c'est tout simple. Hein. Alors la brioche, c'est juste le fait qu'on ait, vous voyez là j'ai une maille avec un jeté par-dessus. Et là la maille, elle a été tricotée. Donc quand je vais venir tricoter, là je vais tricoter la maille avec son jeté. On va tricoter les deux fils ensemble. Et la maille qui a rien, ou c'est juste là, vous voyez, juste une maille normale, je vais la glisser en faisant un jeté dessus. La brioche, c'est vraiment que ça. On me demande souvent un patron pour débuter la brioche. Je ne connais pas un patron où dedans, vous allez vraiment retrouver un tutoriel avec un pas à pas pour vous expliquer la brioche. Non, je peux vous proposer des patrons où la brioche, elle est simple. Là, mon dernier gilet, le Fade It Brioche. Clairement, c'est vraiment de la brioche simple. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Une fois qu'on met en place la section de brioche, elle reste telle qu'elle du début à la fin. Elle ne bougera pas en termes de maille. On ne l'augmente pas, on ne la réduit pas. C'est que la brioche. C'est la brioche au départ unicolore et bicolore. Donc. Et le patron est vraiment très bien expliqué. En fait, la brioche, quand on a deux couleurs, on va tricoter une première fois le rang et on va revenir au début du même rang sans tourner son tricot pour retricoter avec la deuxième couleur. Et dans le patron, par exemple, du gilet que j'ai terminé la semaine dernière, clairement, elle dit bien ne tournez pas votre tricot, faites glisser vos mailles et tricotez avec la couleur B. Et une fois qu'on a tricoté la couleur B, là, on retourne son tricot. On tricote le rang en vert avec la couleur A, et on retricote ce même rang avec la couleur B. Donc là, c'est pas compliqué, parce que comme on est en rond, bah on fait une fois avec la couleur A, une fois avec la couleur B, c'est toujours le même rang, donc en fait, ce modèle-là, bah, je trouve que pour tricoter la brioche une première fois, franchement, c'est pas compliqué. Ça fait peur au départ, hein, même moi, je pense... Alors moi, j'ai pas eu peur de la brioche, parce que je connaissais pas, avant de l'avoir découvert dans le Exploration Station, de Steven West. À cette époque-là, je regardais pas de podcast et tout, donc je savais pas du tout. Je me suis lancée dans ce projet-là, il y a eu la brioche. Alors ce qui est bien avec Steven West, c'est qu'il y a des vidéos, je pense que j'ai dû voir la vidéo, et j'ai fait ce qui était écrit dans le patron, et j'ai réussi. Et donc en fait, j'ai jamais eu peur de la brioche, parce que je me suis lancée dedans sans savoir ce que j'allais faire. Donc je connais pas de patron où il y a vraiment un pas à pas avec de la brioche dedans. Par contre voilà, des patrons qui sont simples, bah ce col là, il est vraiment simple. C'est la brioche bicolore en rond, c'est toujours les deux mêmes rangs qu'on répète tout le temps. Donc je trouve pas ça compliqué. Mais dans le patron, il n'y a pas de tuto. Je crois qu'elle doit expliquer comment se fait le point. Mais donc dans ce patron là, il n'y a pas un tuto, elle marque juste. Voilà, quand on a le BRK, bah, on tricote la maille qu'on a glissée au rang précédent avec le jeté qu'on a fait dessus. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est expliquer ce qu'on doit faire. Après, à vous d'aller voir sur YouTube pour trouver une vidéo. Si vraiment vous ne visualisez pas ce qu'on vous demande de faire, allez voir une vidéo. Mais par exemple, voilà, ce patron-là, il est bien, parce que c'est une petite circonférence, on fait que ça pendant beaucoup de rangs, donc à la fin, vous allez savoir faire la brioche. Et mon gilet, en soi, il n'était pas compliqué non plus à faire, et la brioche, c'est le point brioche classique, simple. Et donc c'est aussi un bon moyen de se lancer si on veut faire vraiment tout de suite un gros ouvrage. Mais là, je trouve que le col, il est vraiment bien, parce que c'est un petit ouvrage et tout, et donc c'est sympa. Après, je verrai s'il y a des diminutions ou pas, parce que c'est quand même en forme de triangle, la brioche, elle le diminue. Mais je pense pas qu'il y ait de diminution, je pense que juste on va faire du point mousse à la place. Enfin, je vous redirai à ce moment-là. Donc, le petit col de mon chéri, c'est parti. C'est vraiment donc zéro cerveau pour ma part, parce que bah c'est une suite logique pendant un sacré nombre de rangs, donc il n'y a pas de problème. J'ai mis des petits anneaux, des petits fantômes. J'ai eu dans la box Halloween de Mademoiselle Pluche. Et comme je suis
Comme c'est les couleurs d'Harry Potter, j'ai utilisé mon petit anneau marqueur des reliques de la mort. J'avais mis un anneau marqueur plus gros au départ, mais j'ai trouvé que ça avait, vous voyez, c'est fort détendu au mon début de rang. Donc là, j'ai encore mes fils de montage, donc je vais venir resserrer après. Mais je me suis dit, je vais pas resserrer tout le long. Donc j'ai changé d'anneau marqueur pour quelque chose de plus petit pour pouvoir mieux serrer, qu'il n'y ait pas de trous au niveau de mon début de rang. Et les laines de Ludivine, elles sont d'une douceur incroyable. C'est vraiment un bonheur à tricoter. Son mérino est très très doux. J'ai dit, mon chéri, c'est vraiment parce que le bleu, c'est pas ma couleur. Puis un snood, j'aime pas enfiler quelque chose sur la tête. Donc c'est pas, c'est les snoods, c'est vraiment pas mon truc. Mais franchement, c'est d'une douceur. Donc ça devrait être vraiment pas mal. Au niveau de la taille, je vais voir un peu plus tard où il les serra, mais je trouve que voilà, il est pas trop large, donc il devrait bien lui les serrer au niveau du cou. Parce que le but, c'est faut pas que ça tombe. Parce que si ça tombe, il va me dire que c'est inutile complètement. Il faut que ça lui serre. J'espère qu'au niveau de la taille, ça sera pas trop grand. Bon, je pense pas. J'ai pas fait d'échantillon. Je le tricote avec les aiguilles recommandées par le patron. Je me suis dit, je vais me lancer, je verrai. Et la taille me paraît pas mal. Mais il faudra que je le passe sur un cap parce que là, avec mes aiguilles, sa tête, elle passera pas. Ou il va me perdre des mailles en cours de route. Voilà, donc ça c'était le récap de ce week-end. Donc j'ai mon pull, j'ai mes petites chaussettes et j'ai le snood. Le snood, il n'y a pas d'objectif, il avance petit à petit cette semaine. On verra bien ce que ça donne où j'en suis à la fin de la semaine. Vraiment, mon objectif, c'est faire ma chaussette. Une fois que ça c'est fait, avancer sur le corps et ça sera déjà pas mal. Aujourd'hui, je porte le top, le Frisky Lifty de Gym Carina. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce t-shirt avec ses grands motifs de feuilles. Voilà. J'ai pu voir cette semaine qu'elle vient de sortir la version pull qui se tricote en épaisseur décal. Là, c'est en épaisseur fingering. Et qui, bah voilà, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même motif, mais en version pull. Ah bon bah voilà, j'avais adoré ce motif-là, je l'aime énormément, mais je me vois pas le retricoter à nouveau. Donc je le ferai pas en pull parce que je l'avais trouvé. Alors c'est vraiment très simple et très accessible aux débutants comme modèle, mais c'est très répétitif et un petit peu long à faire à mon goût. Donc j'ai tellement plein d'autres modèles en vue que j'aimerais faire que voilà, je me referai pas cette version-là en pull, même si j'aime beaucoup beaucoup le motif. Voilà, c'était pour ce que je porte et que j'ai tricoté en BioBalance de BC Garn. C'est vraiment parfait pour le temps. Voilà, hein, c'est mi-été, mi-automne. Au matin il fait frais, après-midi il fait trop chaud. Là voilà, il est bien, il est super 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 ample, donc j'ai pas trop chaud dedans, je suis vraiment bien. Alors on se retrouve en milieu de semaine, on va faire un petit point sur mes encours. Hop, je regarde ce que j'ai à côté. Donc, on va commencer par ça. Le col que je tricote donc pour mon chéri avec les laines de Arco Irisien. Hop. Je vous montre ce que. Bah, c'est ça a avancé, hein, mais c'est pas fou non plus. Bah, c'est toujours toujours la même chose. Voilà. J'ai fait la moitié de la section de brioche. Je dois encore retricoter exactement tout ça une deuxième fois avant de commencer les diminutions. Ça va être un col qui va être quand même assez haut. Je pense qu'on peut adapter la longueur, la hauteur du col sur la fin quand il n'y a que des rangs de points mousse.
J'ai dit à mon chéri que là, pour l'instant, je respectais tout le patron et qu'une fois que j'aurais fini le motif dans la brioche, enfin, c'est pas vraiment un motif, vous verrez au moment où j'y serai. Je lui ai dit à ce moment-là, on l'essaiera et puis on verra vraiment la longueur qu'il désire. Donc voilà, donc à l'extérieur, ce que nous, voilà, on pense plutôt niveau extérieur, j'ai le coloris Dragono. Donc ce très joli bleu, mais vous voyez, trop bleu. Tire un peu plus vers le vert, le turquoise. Et à l'intérieur, c'est Patronus. C'est vraiment très joli. Alors dans Patronus, il est nuancé. Il y a des fois, on retrouve des zones de Dragono. Les deux fils vont super bien ensemble. C'est super beau. J'aime beaucoup le rendu. Et mon chéri trouve ça complètement rigolo que ça soit totalement réversible. Je lui ai dit, oh, vraiment, tu pourras le porter comme tu veux. Je vous avais dit, à ce niveau-là, le départ, il n'était pas terrible. Donc maintenant c'est un peu mieux, j'avais changé mon anneau marqueur pour que ça soit pour un plus petit, pour être moins gêné. On voit quand même bien le début de rang, hein. C'est, vous voyez, même si je me mets là, on voit bien la ligne, mais j'ai pas trouvé de solution pour que ça soit moins visible. Bon, après tout ça sera derrière, après à la longue ça sera tout assez, ça c'est pas non plus trop gênant, mais bon, je tenais à le souligner quand même que j'ai quand même une belle démarcation au début du rang. Mais voilà, donc bah, c'est le tricot vraiment zéro cerveau, c'est toujours les deux mêmes rangs de brioches qu'on fait tout du long. Un peu long, certes, mais bon, je me dis, une fois que j'aurai fait ça, après on va commencer à intégrer le point mousse, et puis ça sera un petit peu plus motivant. Puis bon, bah après c'est tout, ça reste qu'un col. Voilà pour le col de mon chéri. De temps en temps, je me dis, allez, je vais tricoter ça, et je le tricote. Ensuite, le pull que je teste pour Nadia, bah il avance. Hop, alors que je vous montre. J'en étais là lundi, j'ai tricoté tout ça, donc j'ai fait la moitié d'un motif. J'ai commencé à changer, oui j'ai commencé à mettre la torsade, c'est ça, j'ai fait la moitié d'un motif. Et bien ça se poursuit. Ça se poursuit, je crois que quand je vous avais dit là, il me restait 11-12 cm, donc ouais, non, j'en ai quand même fait quelques-uns. Ça avance bien, j'aime toujours autant, c'est pas prise de tête et tout, c'est vraiment chouette. Puis cette couleur, oh là là. Ah, vous avez la bonne couleur là. Vous avez bien la bonne couleur, fait pas trop clair, pas trop sombre. Ah ouais, non, c'est beau. Avec toutes ces petites touches là de tweed, j'adore. Puis là, au niveau de la taille, on va être bien. On va être bien. Ah, je suis vraiment contente, c'est super beau, il n'y a pas à dire. Donc bah, je poursuis, j'ai monté mon anneau marqueur, ça je saurai où j'en étais aujourd'hui. Donc je suis toujours sur mon deuxième écheveau de By Night. Donc j'en ai largement assez pour finir le corps, je suis sur ma deuxième pelote de mohair. J'entamerai la troisième, une troisième pour faire le corps, il m'en reste encore deux après, donc non, mais c'est bon. J'aurai assez de laine, il n'y a pas de souci. Ah, j'aime beaucoup les modèles à Nadia. C'est simple et efficace. Voilà, c'est franchement, je trouve toujours que c'est juste ce qu'il faut. Et enfin, mes chaussettes. Ma petite chaussette. Hop, 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 hop. Tada! La voici, ou à moins que ce soit celle-là, je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle des deux c'est. J'ai terminé mon objectif. Je suis vraiment contente. C'est chose faite. Je vous avais dit, je voulais les finir. Alors ma motivation, c'est que j'ai extrêmement envie de monter les fais-moi peur. On en voit plein passer sur Instagram. Et franchement, ça me... Voilà, j'ai très très envie de les faire. Sachant qu'après, j'aurai encore des chaussettes à faire. Je voudrais faire une paire de chaussettes pour mon chéri. Voilà, ça va pas être de tout repos parce qu'il veut des côtes torse dessus, parce que vraiment c'est ce qu'il adore, mais je vous en reparlerai au moment venu. Donc bon, je vais avoir encore des chaussettes à faire pour Noël et tout, donc je me dis, il faut pas trop que je traîne pour les miennes pour pouvoir faire encore celles que je voudrais faire en cadeau. Mon chéri, ça va pas être facile, ça va prendre du temps, hein. C'est parce que moi là j'étais contente de retrouver mon petit 40-41 de pied. Là pour mon chéri, on repart pour des très grandes pointures là. Enfin, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai fini mes deux chaussettes. Donc, j'ai utilisé mon mini de 20 grammes de la bien-aimée. Ma laine auto-rayante, là, c'est un pur bonheur à tricoter de chez Laine de Mout. Il me reste tout ça. Je ne sais pas trop.
Je sais pas trop combien ça fait ça, mais il faut que je pèse. Mais je suis vraiment contente, les couleurs, tout ça, c'est l'automne, j'aime énormément. Et la laine de Catherine, elle est super douce, très agréable. Je sais que j'ai tricoté déjà plusieurs chaussettes avec ces laines et elles vieillissent très très bien. Donc rien à dire. Donc voilà mes chaussettes, mon objectif il est terminé et je suis super contente. Je vais pouvoir commencer, mais fais-moi peur, tout bobiner, tout ça, que je vais faire dans le kit manoir hanté de chez Bulbe Bizarre. Et donc ben j'ai quand même pas beaucoup d'encours sur mes aiguilles en ce moment, mon pull, le col pour mon chéri, j'avais mes chaussettes que j'ai terminées, objectif atteint. Et ce n'était pas pour rien que je n'avais pas grand-chose sur mes aiguilles, c'est quand même qu'on est au mois d'octobre, et qui dit le mois d'octobre dit le MKL de Steven West. D'ailleurs, j'étais étonnée, vous avez été peu nombreuses à me demander si j'allais le faire ou non. Et donc la réponse est oui, je vais le faire. Alors, au départ, tout au départ, quand il avait lancé juste son image, disant que voilà, le MKL, ça s'appelait Géogradient, sur coup, je me suis dit non, je vais pas le faire. Parce que ça consomme beaucoup de laine, que je voulais pas en acheter pour faire ce patron-là, pour le faire le MKL, que j'ai une liste comme ça de projets d'automne à faire. Mais donc je m'étais dit, je ne fais pas le MKL. Puis après, il a commencé à parler des combos qu'il fallait, et là, j'ai découvert qu'il fallait que 4 échos. Moi, j'ai toujours tendance à dire quand même que 4 échos. Au tricoter, les filles disent ouais, c'est quand même 4 échauds. Et moi je trouve que c'est que 4. L'an dernier, il y en avait 5 à tricoter. Là, il n'y en a que 4. C'est 4 échauds de 4 couleurs différentes qui forment plus ou moins un dé. Qu'il faut qu'ils forment à peu près un dégradé. Là, j'ai commencé à me dire, ça, 4 échauds qui forment un dégradé dans mon stock de laine. Je peux trouver, je pense, je peux chercher tout ça. Et j'ai hésité tout ça jusqu'à ce qu'il y ait une abonnée que j'embrasse très fort qui m'envoie un message pour savoir si j'allais le faire. Et si je comptais le faire, elle voudrait le faire avec moi. Voilà, pour se motiver, parce que bah, c'est quand même un peu un challenge qu'il faut. C'est toujours bien quand on le fait à plusieurs, quand on se soutient. Et je me suis dit, bah allez, allez, on le fait. J'hésitais, c'était vraiment l'occasion de dire bah ça a fini de me convaincre et donc je me suis voilà, je suis prête. Je suis prête pour me lancer dans ce nouveau MKL. Donc c'est la deuxième année que je vais le faire. L'an dernier, c'était ma première année. C'était le twist and turn. J'avais adoré le tricoter, j'aime beaucoup les techniques de Steven West. Alors oui, après on se retrouve avec des choses très grandes, pas forcément faciles à porter. Mais le plaisir du tricot là dans le MKL, dans les patrons de Steven West, il est tellement grand que c'est pas grave si je porte pas le châle après. Franchement, moi, c'est pas. J'ai de toute façon, j'ai beaucoup de tricot, je manque pas de tricot, je manque aussi un peu de gilet, je trouve. Mais voilà, concrètement, je manque pas vraiment beaucoup de tricot. Mais je saurais pas tricoter moins parce que moi, j'aime tellement tricoter, ça fait tellement. J'adore ça, moi. C'est mon moyen de me détendre et tout, c'est. Ouais, j'adore tricoter. Que c'est pas grave si je porte pas l'ouvrage derrière. Donc je vais maintenant vous montrer ce que j'ai choisi, mon combo. Hop, alors bon, je vous les montre tous d'un coup. Voilà les 4 couleurs que j'ai sélectionnées pour faire le géogradient de Steven West. J'attendais de vous montrer, de le filmer pour pouvoir les bobiner. À la base, en fait, ce qui m'a décidé, c'est surtout que j'avais ces 3 échevaux-là qui n'étaient pas encore rangés dans mon bac, qu'ils étaient ici, que j'avais acheté donc ceux-là chez Laine de Mood pendant mes vacances. Bulle Bizarre, le Salamèche, j'avais dû le recevoir courant juillet. Et je me suis dit, ah, ces 3-là, ils vont super bien ensemble. Et il en fallait un quatrième. J'ai pas mal cherché dans mon stock et j'ai trouvé que celui-ci de chez Tricot et Stitch, il allait quand même pas mal. Vous voyez, il y a des touches d'orange, c'était chouette. J'ai demandé l'avis à mes garçons, sur le coup, ils m'ont dit oui, bof, oui, ça dépend pourquoi faire. Et quand je leur ai dit, bah, c'est pour faire le châle de Steven West, ils m'ont dit, ah bah oui, bah non, bah si, c'est parfait. Parce que je trouvais quand même que l'orange, il pète un peu par rapport au reste. Mais après tout, c'est du Steven West. Alors, il faut que ça pète un peu. Donc voilà sur quoi je vais partir. Je vais commencer par mon plus clair ici. Après, on partira dans le orange. Là, on partira dans celui-ci, donc de chez Laine de Mout. C'était le coloris. Ah oui, j'avais eu un gros coup de cœur pour celui-là, Bernard le Homard. Hop, et j'avais pris avec le Miss Framboise qui allait très très bien avec. Et donc voilà, ça sera mon Steven West de cette année. Et il me tarde de commencer. Ça commence demain. J'ai trop hâte.
Demain, on a une journée super chargée et tout. C'est pas le jour où je vais avoir le plus de temps pour tricoter. Mais bon, tant pis, on se rattrapera ce week-end s'il le faut. Voilà, donc c'est la nouvelle aventure pour ce mois d'octobre. Il y a 4 semaines. Alors moi, mon but à moi, c'est de le faire en 4 semaines. Clairement, c'est... Alors le tricot, hein, voilà, le tricot, faut que ça reste du plaisir, faut pas se prendre la tête et tout. Mais quand il y a un cal, j'aime être dans les temps du cal. C'est mon petit challenge, c'est mon petit défi à moi. Je le fais pas souvent de faire des cales. Voilà, c'est donc le petit défi de l'année. Je me dis, je l'ai tenu l'an dernier, j'étais super contente de l'avoir tenu, de le faire sans se faire spoiler, le faire dans les temps, tout ça. Bon, voilà, c'est vrai que ça avait été vraiment un bon moment. J'avais beaucoup aimé le tricoter l'année dernière, donc je refais cette année en espérant réussir à tenir le rythme. On verra bien ce que nous réserve cette année Steven West. Mais j'ai hâte d'aller bobiner tout ça. Ces 4 petites merveilles. Voilà. Alors j'espère que ça vous plaira de me suivre. Donc ça fait qu'à chaque fois que vous allez voir le vlog, vous serez un peu spoilé. Ouais, parce que là quand je vais revenir vendredi, j'aurai commencé un peu le premier indice. Je le dirai toujours avant. Attention, spoil. Vous serez un peu spoilé à chaque fois parce que quand... Mais bon, je préviendrai toujours avant. Donc voilà ce qui va sauter sur mes aiguilles à partir de demain. Donc je vais aller tout bobiner. Donc après voilà, je reste quand même sur mon col, sur mon pull. Je vais lancer mes chaussettes aussi, je vais tout bobiner. Je vais me faire une session de bobinage. C'est pas ma grande passion, là je vais avoir quand même 5 écheveaux complets plus 2 mini à faire. Ça fait quand même beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, on y va. Et puis il y aura des nouvelles choses. Alors c'est pas dans les couleurs de l'automne, quoique l'orange est un peu automnal, mais ça va être quand même un châle bien peps tout ça. Mais c'est ce que j'avais en stock et je voulais pas acheter de la laine. J'ai vu plein de combos, de dégradés que les teinturiers ont pu faire. C'est vrai que j'ai vu plein de merveilles passer, mais là ça écoule un peu le stock de laine, donc ça fait plaisir. On arrive à la fin de ce vlog et aujourd'hui je porte le premier pull pour cette saison, ça y est, je veux dire le premier pull de l'année. À chaque fois qu'on dit ça avec les garçons, genre c'est la première raclette de l'année ou autre, ils me disent bah non, la fin en début d'année, ils jouent sur les mots, l'année scolaire. Bon, enfin voilà, donc c'est mon premier pull là pour la saison automne, ça y est, je me suis un peu risquée, j'étais pas sûre ce matin, j'avais peur d'avoir trop chaud. Parce que bon, il n'y a pas, hein, il fait super doux et tout. Mais finalement, ça va, je le porte bien. J'ai quand même pas mal souvent remonté mes manches. Mais enfin bref, ça s'est quand même bien passé. On est arrivé là, à la fin de journée et j'ai pas trop chaud, donc ça va. Il s'agit du modèle Paris-Brest de Loli Lafay. Hop. C'est joli rayure, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, ce modèle-là, voilà pour ce que je porte. Je l'aime beaucoup. Sinon, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous montrer, à vous parler, vous avez pu le voir avant, j'ai reçu quelques colis, moi j'ai reçu trois colis, ouais c'est ça, trois colis, juste là,
depuis mercredi. C'était un petit peu Noël, tout arrivait en même temps dans la boîte aux lettres, donc je vais vous montrer ça, et puis après je vais vous montrer mes encours, leur avancée. Tout d'abord, de la part de Création Solognotte, j'ai reçu un petit lot d'anomarqueurs, vraiment très joli. Sa collection Les 4 saisons, donc là il s'agit de l'automne. Ils sont en bois et ils sont gravés, je sais plus comment on appelle cette technique là. Il faut un outil spécial là qui permet de faire des gravures sur le bois. Enfin, bref, c'est super joli. Il y a des champignons, pommes de pin, glands. La pomme de pin, elle est sur un Progress Keeper, vous voyez, c'est un petit anneau qui se détache. Vraiment très joli. Donc merci beaucoup à Karine. Et je suis contente parce qu'en plus, la liste du Ch'ti Bazar a été dévoilée sur leur site. La billetterie est en ligne pour le festival. D'ailleurs, normalement, on y va. Tout se goupille bien pour qu'on y aille. Mais je me méfie. Je touche du bois parce que, pour ceux qui savent, l'an dernier, j'en avais parlé. On y va, on y va. Et mon chéri avait eu des gros problèmes de santé. Et d'un coup, j'avais dû. Je m'en souviendrai. Je pense toujours, hein, de façon de cette période-là qu'on a vécu. Je vous avais coupé le vlog net parce que j'avais été incapable de poursuivre. Et j'avais dit que je n'irais plus qu'on n'irait pas au Ch'ti Bazar parce que mon compagnon ne pouvait vraiment pas. Finalement, on avait quand même pu y aller, il avait pris sur lui, on y avait été le samedi. Donc voilà, bref. Ça va être c'est bête, hein, mais c'est vrai que c'est un moment étape cette année qu'on doit passer. Ça fera un an qu'il a eu ses gros problèmes et j'avoue que j'appréhende un peu bizarrement. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, vous me demandez souvent des nouvelles, il va beaucoup mieux. Il est normalement en voie de guérison. On arrive. On voit la lumière au fond du tunnel. Normalement, on arrive au bout. Voilà. Ça... Non, tout devrait bien se passer cette année. On ira au Ch'ti Bazar. On a prévu d'y aller le samedi 11 novembre. Et donc, il y aura les créations de Solognotte. Donc, je pourrai la rencontrer. En plus, c'est chouette. Il y a pas mal de nouveaux. Il y a beaucoup d'exposants qui étaient là l'an dernier qui seront représentés à nouveau. Et il y en a des nouveaux il y a des nouveaux exposants cette année, en plus des exposants que je n'ai jamais vus, que je n'ai jamais encore rencontrés en vrai, Eline Hélène, Célène, Maison Corlaine. Il y en a d'autres, de toute façon, Création Solognotte, je n'avais jamais vu. Il y a une autre créatrice d'anomarqueurs et d'accessoires que je n'ai jamais rencontrée. Enfin bref. Et puis il y a tous nos habituels qu'on aime, hein, By Night, Tricot et Stitch, Laine de Mout, il y aura Arco Iris, il y aura Teinture Lurée, Teinture Allen. Il y a du beau monde au festival. Mais bon, on n'y est pas encore. Dans un mois, on est le combien aujourd'hui? Ça va faire à peu près dans un tout petit peu plus d'un mois, ça devient bon. D'ailleurs, au Ch'ti Bazar créatif, il y aura les trois chats. Je vous l'avais dit, quand est-ce que je vous en ai parlé? Je vous avais dit, elle avait sorti une nouvelle collection, dont le parfum Douceur de bébé. Et franchement, comme je suis nounou, je pouvais pas passer à côté, ça sent super bon. Floral amande crémeuse. C'est hyper doux. Et dans sa collection d'automne, il y a Soir d'automne et Châtaigne. Donc Soir d'automne, c'est châtaigne amande vanillée et châtaigne, c'est boisée gourmande vanillée. Et elles sont vraiment différentes les deux, c'est pas du tout les mêmes senteurs, elles sentent super bon. Et j'avais craqué pour Drogo, ambrée gourmande. Et ça, si je me trompe pas, ça doit être peut-être la... Je me demande s'il n'y a pas eu une petite bougie dans les box de Arco, dans le thème de Game of Thrones, si je me trompe pas. Oh, ça sent tellement beau. Et quand je l'avais vu sur son site, j'avais craqué sur ça. Et d'ailleurs, j'embrasse très fort Letty parce que la pauvre, elle a été malade. Elle a eu la Covid après le nitite et donc elle était vraiment très très mal. On avait reçu un mail de son mari pour prévenir du retard dans les livraisons. Mais franchement, il n'y avait aucun souci. Hein. C'est que des bougies, il n'y a rien de vital. Le plus important, c'est la santé. Mais donc j'embrasse très fort Laetitia et j'espère que maintenant ça va mieux. Et donc on se reverra au Ch'ti Bazar et vous pourrez la voir. Donc elle a vraiment un stand avec ses bougies. Et la dernière chose que j'ai reçue, c'est de la laine parce que je vais participer à un test pour une autre Laetitia, pour même les anges tricotes. Elle va sortir le pull Coffee
Donc ça sera certainement début janvier qui va sortir, et c'est une collaboration avec Teinturlurie. Et hop hop hop, voilà. Alors je vous en montre que deux, j'en ai encore deux autres, hein. J'ai une quantité pull. Donc je vais tester le pull, et je teste par la même occasion donc une base que je ne connaissais pas du tout. C'est sa base BSC, donc c'est 70% BFL Superwash, 20% de soie de mûrier et 10% de cachemire. Hop, je vous montre. Et le coloris, c'est Hunter Sandman. Voilà, voilà. Alors, je sais que Audrey adore le BFL, mais là, cette composition-là, je la connaissais pas. Ça donne un fil qui a un léger duvet. J'ai hâte de voir ce que ça donne tricoté. C'est vraiment tout doux. Puis la couleur, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça devrait bientôt sauter sur mes aiguilles. Donc ça va, on a le temps jusqu'à... Voilà, j'ai un peu plus de 2 mois pour faire le pull. Mais je pense qu'il va pas, ça va pas tarder. Il faut que je mette en écheveau, que je fasse mon échantillon. Mais j'ai hâte de tester cette laine. Merci encore à toi Audrey pour ces petites beautés. C'est beau comme tout. Donc voilà, ça c'était pour les dernières choses reçues depuis mercredi. On va parler tricot maintenant. Alors mes avancées, on va commencer par la chaussette parce que c'est ce que j'ai de plus proche. Ma petite chaussette, donc je fais le modèle Fais-moi peur de Lisandre Ourdin, que l'on voit beaucoup beaucoup sur Instagram en ce moment, mais forcément il est... Bah, c'est exact, au mois d'octobre, c'est vraiment la bonne période pour le tricoter. Hop, attendez, j'essaie d'enlever les fils. Et je vous montre... Oh, c'est beau! Ah, j'adore! Donc, les Fais-moi peur de Lisandre Ourdin. Et moi, je suis en train de faire la grille numéro 3 avec les fantômes et la tête de mort en dessous. Et donc, voilà mon petit départ. J'aime beaucoup. Donc, on les commence par les côtes. J'ai fait ce qu'elle préconise dans le patron, un German Twisted Caston. Et ça fonctionne bien. J'ai fait des côtes semi-torse. Alors, par contre, dans tous les modèles de jacquard de Lisandre, il me semble qu'elle propose de faire des augmentations pour être sûre, pour avoir plus de mailles au niveau de son jacquard, pour que ça passe bien à son pied, qu'on n'ait pas de soucis. Moi, j'ai aucun problème de jacquard de chaussettes. Je sais que j'ai déjà fait des tests de chaussettes en jacquard où moi, mon pied est passé super bien et il y avait d'autres testeuses pour qui ça ne passait pas du tout. Alors, je comprends pas pourquoi, parce que moi, j'ai un pied très fort. Mais après tout est large chez moi, la cheville, le coup de pied, le pied, donc en fait si le début de mon pied passe, il n'y a pas de raison, tout le reste va passer. Et ma manière peut-être à moi de tricoter le jacquard fait que je n'ai jamais eu aucun souci d'élasticité à ce niveau-là, et mon pied a toujours passé sans problème. Donc je n'ai pas fait d'augmentation. Là, en fait, j'ai fait 72 mailles pour les côtes, et en fait les petits fantômes... quand on fait la taille M, on passe de 64 mailles, on doit augmenter jusqu'à 72 mailles pour faire les petits fantômes. Donc là, ça tombait bien, j'ai pu suivre ça passer dans 72 mailles sans qu'il y ait de décalage ou autre dans les fantômes. Donc voilà, c'est juste la petite différence, c'est que moi j'ai pas fait les augmentations. Donc en fait, c'est comme si je tricotais toute la chaussette en L et que je faisais le jacquard de la taille M. Voilà. Mais parce que je sais que moi j'aurais pas de soucis pour passer mon pied. Donc j'ai fait les petits fantômes et j'aime beaucoup le rendu, c'est trop mignon. Alors pour rappel, je le tricote avec la laine de chez Bulbe Bizarre. Hop, je vous montre son étiquette, Bulbe Bizarre. Et c'était le kit à chaussettes Manoir Hanté. Alors la seule différence par rapport avec le patron de Lisandre, c'est que Lisandre elle préconise d'avoir 50 grammes de chaque couleur. Moi j'ai un écheveau de 100 grammes et j'ai deux mini de 20 grammes. Donc je vais pas faire les rayures sur le pied parce que j'ai peur de manquer de laine. Sinon, moi mon pied sera tout uni. Mais voilà donc le début, j'aime beaucoup. Ça va être joli, ça va être vraiment chouette. Donc voilà pour mon début de chaussettes. Quel plaisir de retrouver du jacquard. Hein. Oh, j'aime beaucoup ça. Non, le patron à Lisandre est vraiment très bien expliqué. C'est très clair et tout, c'est vraiment bien fait. À chaque grille, à chaque fois, on retrouve bien toutes les explications pour faire sa chaussette. Donc franchement, c'est nickel. Je prends beaucoup de plaisir à les tricoter. Après, on va passer au col de mon chéri. Bon, c'est toujours la même chose. Voilà ce que ça donne. Alors, sur mon retour caméra, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il est trop bleu. Quand je fais le montage, finalement, vous avez assez bien la bonne couleur. Donc je sais pas trop si vous voyez la bonne couleur ou pas.
Enfin voilà, donc je suis toujours dans mes. Dans mes. Je vais dire mes côtes, mais non, dans ma brioche. Hein. Ça n'a pas changé. Alors je me suis mis un petit anneau marqueur. C'est la fleur du mois d'Apollonie. C'est pour savoir. Alors c'est pas là où j'en étais quand je vous l'ai montré mercredi, j'étais un peu plus bas. Mais c'est parce que ça m'évite de recompter tout ça. Là au moins jusqu'au marqueur, je sais encore combien de rangs je dois faire. C'est pour éviter de recompter déjà tous les rangs jusque. Du montage jusqu'au marqueur. Moi, maintenant, je compte à partir de là. Il y a un petit peu moins à compter. Mais voilà. Bon, bah, ça se poursuit, ça se poursuit. C'est vraiment zéro cerveau. Ça se fait tout seul. Un tricot voiture parfait. Alors, ce week-end, je pense avancer sur mes chaussettes parce que le jacquard, c'est motivant. Donc, au moins passer le jacquard. Lui, c'est vraiment pas sûr que j'avance dessus ce week-end. Ça sera peut-être la semaine prochaine. Ce que je vais surtout avancer ce week-end, c'est mon pull pour Nadia. Hop, je suis toujours sur la même chose. Mais qu'il est beau. Je l'aime beaucoup. J'adore le rendu. Lui, j'ai hâte de le porter. Mais vu comment il fait chaud, je suis pas là de le porter. Mais bon, c'est pas grave. Ça va venir. J'adore, j'adore. Il est vraiment super beau. J'adore. Cette couleur. Ces petits tweeds, c'est trop beau. Bon bah j'en étais là quand je vous l'ai montré, j'ai fait que ça. Ah oui, entre deux, il y a eu Steven West. J'ai fait que ça, mais bon, c'est déjà ça. Il me reste plus énormément à faire avant de faire les côtes. Donc l'objectif du week-end, c'est de finir le corps, de finir tout le motif et de faire les côtes. Mais lui, en fait, vous n'allez plus le revoir. Vous ne le reverrez. Bah, ça sert à rien que je remette mon anneau marqueur parce que vous le reverrez plus. Vous le verrez à sa sortie, donc bah, au niveau du ch'tis, au moment du ch'ti bazar créatif. Voilà. Il me reste pas énorme à faire au niveau du motif. Faut que je relise d'ailleurs le patron. Je pense que Nadia nous dit où exactement faut s'arrêter pour que le motif s'arrête bien. Parce que avec les patrons à Nadia, c'est toujours bien expliqué, c'est bien clair. Et après on fait des côtes, il y a quand même pas mal de côtes à faire. Mais voilà. Lui, l'objectif, c'est de finir le corps ce week-end. Motif et côte, et comme ça le week-end prochain je ferai les manches. Ça sera un bon programme et il sera terminé. Voilà, hein, je me régale avec ce modèle-là. Et donc, le dernier ouvrage à vous montrer. Si vous ne voulez pas être spoilé, si vous ne voulez pas du tout voir le début du MK de Steven West, et bien pour vous la vidéo s'arrête là, vous inquiétez pas, il n'y aura rien de plus derrière. Et pour tous ceux qui veulent voir, ben vous pouvez rester, je vais vous montrer mon début. Alors, mon MKL. Ah, que d'aventures déjà. J'avais un premier. On va commencer par ça. J'avais un premier combo. Donc, j'avais mon combo de laine. Je n'avais pas fait l'échantillon demandé par Steven West parce que. Je me suis dit, ça ira très bien. Donc, c'était ça, mes laines. Je vous les avais montrées en écheveau. Voilà ce que ça donne bobiné. Et je m'étais dit, oh, ça se voit super bien, quoi. C'est super beau. J'aimais beaucoup le rendu bobiné. Je me suis dit que ça allait être parfait. Et il s'avère que finalement, si j'avais fait l'échantillon, je me serais rendu compte que là, Bernard le homard, ça allait pas. Ça allait pas parce que en fait, ah si j'avais voulu faire un projet comme mon gros gilet que je viens de faire tout en dégradé, c'était nickel. Mais là, on demande pas en fait que ça soit fondu. Non. Steven West l'avait dit, il fallait des couleurs de préférence solides, unies, et pas des couleurs très nuancées, tout ça. Donc, il a fallu défaire et recommencer parce que ça n'allait pas. Donc ben Bernard le homard il réfléchit à ce qu'il va devenir. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je suis triste qu'il aille pas dedans. Mais j'avais eu un gros coup de cœur pour ce coloris là. Mais donc bon ben pour l'instant je l'ai rebobiné pour que ce qu'on dit toujours qu'il faut pas laisser un écheveau bobiner parce que ça fait trop de tension dessus. Mais quand on rebobine une pelote, il y a moins de tension. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup moins tendue, tout ça. Donc je sais que maintenant elle peut rester comme ça un petit moment. Je vais pas la tricoter tout de suite. Je pense que je verrai après le ch'ti bazar. Parce que moi j'avais acheté ça avec pour. C'était Miss Framboise de chez Laine de Mout. Et je me dis que peut-être au ch'ti bazar créatif, je vais en racheter un. Et comme ça, mon duo que j'avais prévu, il sera refait. À voir. Faut que je réfléchisse. Donc je me retrouvais plus qu'avec ça.
Mais j'avais un écheveau qui était sorti parce que j'avais eu des hésitations quand j'avais préparé mon combo. Et donc voilà maintenant ce que ça donne pour mon Steven West. Alors je vais vous faire un récap parce que je me suis dit que j'avais pas tant parlé d'Hélène que ça en début de semaine. Alors mon coloris A ici, c'est de la Tricot et Stitch. Hop, voilà. Dans sa base extra fine, et c'était le coloris rose des sables. C'était un de ses écheveaux de son almanach, la almanach de la tricoteuse de, ou de la chaussette. Almanach de la chaussette. Son almanach. Bon, bref, vous savez, son coloris qu'elle sort tous les mois. Voilà, c'était celui-là, rose des sables. Donc, ça, c'est mon coloris A. Coloris B. Je suis en train de faire mes autres pelotes. Il s'agit de d'un écheveau de Bulbe Bizarre. Le coloris Salamèche en lurex, donc avec les paillettes. Et en fait, ça c'était le trio, il faisait partie du. J'avais acheté Bulbe Bizarre et Carapuce que j'ai mis dans mon gilet. Il me restait Salamèche. Il est vraiment super beau, j'adore. Oh, c'est trop beau. Celui que j'ai rajouté donc pour en remplacement, ce très joli rose qui est de chez Laine de Mout. Et c'est mon coloris, c'est Miss Lauriane en Mout Soc. Hop là. Alors, il a des nuances, hein. Il a des petites touches de caramel, tout ça, et des speckles, mais globalement, il est quand même beaucoup plus uni que Bernard le Homard. Et le dernier, il s'agit donc de, toujours de chez Laine de Mout, Miss Framboise en Stellina. Voilà, que j'avais acheté pour aller avec Bernard le Homard cet été. Oh, j'adore, c'est trop beau. C'est super beau. Donc voilà, j'ai dû changer mon combo parce que n'y a pas eu le choix. Parce que c'était ça n'allait pas. Il faut vraiment, je pense là, que pour ce modèle-là de Steven West, il faut que les rayures se voient en fait, soient assez alors pas hyper prononcées, mais moi ça me faisait une grosse rayure ça n'allait pas quoi. Donc j'ai tout défait, j'ai recommencé, c'est pas grave. Et donc là, je vais vous montrer les deux premières sections. Oh, c'est beau, j'adore. J'adore, j'ai pris énormément de plaisir à le tricoter deux fois, hein, finalement, parce que je vous mets une photo à l'écran du combo, mon combo initial. J'en étais arrivée quasiment, j'avais juste pas fait cette couleur-là. Je m'étais arrêtée avant en me disant non, ça n'allait pas. Ouais, comme ça, vous pouvez voir un peu entre les deux. Et donc, on commence par ici. Donc, c'est du Steven West. Alors, pour l'instant, c'est très simple, hein, c'est que du point mousse, mais la manière dont c'est fait. C'est hyper fun, c'est bien pensé, c'est beau, c'est propre. J'adore. On commence par cette rayure-là, donc avec le coloris A Tricot et Stitch. Ensuite, on fait celle-ci, c'est la mèche. Là, Miss Lauriane, Miss Framboise. On a ce premier morceau. Ensuite, on vient commencer à ce niveau-là. Et on vient faire les mêmes rayures. Mais ici, vous voyez, ça forme un triangle et on est venu se coller à ce niveau-là. Et après, on est reparti là en prenant les deux morceaux ensemble. On refait les mêmes rayures hein, et on a poursuivi comme ça. Et voici donc la section 2. Une et deux en fait. Voilà, les deux premières sections, ça donne tout ça au total. Je ne vous dis pas comment c'est la suite. Alors, il a déjà mis sur Instagram, j'ai vu aujourd'hui le. Alors, avec un spoil quand même, hein, devant, c'est la première image, on ne voit pas, mais. C'est le. On n'a pas le temps de finir. Ben, il met déjà sur Instagram. Je trouve qu'il va vite pour mettre sur Instagram. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que là, dans le patron, visuellement, il n'y a rien. Il n'y a pas de photo, tout ça. On y va vraiment à l'aveugle. On ne savait pas ce que ça donnait. Je suis été contente. J'ai été voir la vidéo pour voir à la fin ce que ça allait donner parce que je voulais être sûre. Est-ce que je démonte ou je démonte pas? Il y a besoin. Je trouvais que pour que le. Et mon chéri était d'accord avec moi. Pour que le rendu final de ce premier indice rende bien, il fallait qu'on voie bien les quatre rayures. Donc j'ai tout défait et j'ai refait. Donc moi je sais à quoi ça va ressembler après. Et pour l'instant, ce premier indice, j'aime énormément. Donc là, il me tarde de tricoter les autres. Alors je me suis dit, je sais pas, soit parce que là, donc au total, j'ai 8 sections à faire. Donc si j'en fais 2 par jour, c'est pas très long à faire. Si je fais 2 sections par jour, je me dis en 4 jours c'est fini, ou est-ce que alors je vais y aller bout, je vais tout faire d'un coup, puis après je tricoterai le reste de la semaine mes en cours, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Là ça me démange de le reprendre. Non, et je vais voir, on verra bien. Vous verrez lundi si j'ai avancé sur mon Steven West ou pas.
Voilà. Et je me dis qu'afin d'éviter peut-être de trop spoiler, il se peut que la semaine prochaine, le vendredi, je vous montre pas en fait le début du deuxième indice. Comme ça, peut-être que... Ou je le ferai comme là, peut-être à toute fin du vlog. Ah, je ferai ça. Pour ceux quand même qui veulent voir. Le début du deuxième indice, je vous le montrerai à la fin du vlog. En tout cas, je suis super contente de l'avoir refait cette année. J'adore mon combo de couleurs, même si j'ai dû modifier. Je suis super contente, le rendu, il est beau. Ça a l'air fun. Je sais pas du tout où ça va, où on va aller après. Et c'est ça que j'adore avec Steven West, c'est que... Bah, c'est toujours un peu improbable. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira aussi de suivre ça avec moi. Donc moi, je tricote en duo avec... je sais pas si je peux dire son prénom. Avec une abonnée. Donc on a, voilà, on s'est déjà montré nos petits débuts, nos avancées. Donc ça, c'est chouette. N'hésitez pas à me le dire si vous vous lancez aussi dans le MKL de manière vraiment surprise comme là, sans savoir, à l'aveugle, ou si vous préférez attendre de voir l'objet final pour le faire, ou si vraiment ça vous tente pas du tout, ce que je peux comprendre, hein, c'est complètement fou, ça va être, c'est quand même 4 échevaux, donc ça sera un grand châle, et puis bon, c'est juste Steven West, donc c'est toujours un peu fou, un peu extravagant. Enfin voilà, on est arrivé au bout de ce vlog, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, il me semble, j'espère. Des fois j'oublie des choses. Mais je crois que c'est bon, on a fait le tour des tricots. Je vous ai montré les dernières acquisitions. Donc on est bon pour cette semaine. Donc un grand merci à vous d'être arrivé jusqu'au bout. Merci énormément pour votre soutien, pour vos partages, vos commentaires. Je ne le dirai jamais assez, mais un grand grand merci à vous. C'est grâce à vous que je continue de revenir de semaine en semaine. Et donc, en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye !